Coucou YouTube, alors. Ah oui, je me souviens, on s'était arrêté là. Il fallait qu'on sorte. Attention à la tête, bien sûr. Par là, peut-être. Non. On venait de sortir de. Attends, merde, je vais où? Ici? Non. Attends, je peux pas l'ouvrir cette porte? Ah mais si, mais il y a un bouton là. Morgan? Morgan, this Salut is Chief Sarah. Lazar. The airlocks on Talos are sealed, but there's an opening at the cargo bay you could use. I think you can get back inside the station here. Ow! Mais c'est quoi ça? La zone de fret, c'est par là, ok. Oh, elle est belle vue d'ici, la lune. Et bonjour YouTube, je sais plus si je l'ai dit. Allez, on y va. Oui. I've been wondering if it might be bothering you that you planned your own death. Oh. It's a lot to swallow. My advice would be, try not to think about the end. Focus on what's in front of you, one step at a time. Bah, c'est facile pour toi, t'es un putain de robot. Putain, comment ça se fait que je suis aussi lent? Bon bah écoute, on va y aller et puis c'est tout, hein. Voilà, sinon j'espère que ça va chez vous. Qui que vous soyez, où que vous soyez. Vous serez sûrement dans une meilleure situation que Morgane actuellement. Ah, la zone de fret, c'est pas le putain de tunnel de ces morts là où j'étais plus tôt? Je crois que si. J'ai rien pour me soigner. De la bière, des leurres. Ouais, non. Par contre, je vais prendre ça pour éviter d'être trop d'être radiographié, enfin, je veux dire, en mode radioactif pendant trop longtemps. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a encore des typhons qui vont venir me mordre la bite? You outside your prison. Maybe trying to escape? Like me? Not safe out there. But you know this. You have headaches. See things. It is not fever. Not hallucinations. A horizon is coming. Cutting through space. Un horizon? If we're still here when it arrives, it screams so loud. We hear it in our head. It is still far away, but it is coming closer. It will eat your prison, every person on board, and it will still be hungry. Where will it go next, I wonder? I see you back in your prison soon, MU. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? On va se revoir, genre? Parce que je dois toujours te défoncer parce que t'as tué une waifu, hein?
Donc, Will Mitchell, ou peu importe c'est quoi ton vrai nom, j'arrive pour te fumer ta race, hein. Je te préviens tout de suite, hein. Oh, je peux accélérer! Ah, je me disais aussi, c'est bizarre que j'aille aussi lentement. This is Dr. Dayo Igwe. I'm broadcasting to all contacts in proximity. Please, whoever is out there, listen to me. Oxygen is low and I have no spacesuit. An accident in Cargo Bay forced me to seal myself inside this container, but I have no way to dock with the station from in here. Docteur? I see you, Morgan. We've locked down the cargo bay. We're safe. Yeah. For the moment. It will be a trick to get inside. There's not an airlock anymore. That explosion took care of that. Maybe you can do something with the shipping containers. Ah, il est là. Comment je fais du coup? J'arrive, docteur Truc. Bah, je vais éviter de l'ouvrir quand même. Le numéro du conteneur. Ok, et maintenant? Panneau de commande des conteneurs, donc c'est là. 2312. Non, dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. Amarrer le conteneur. Allez, viens. C'est bon, poteau. Oh, at last. I thought that crate would be my coffin. Even the stale air of Talos laced with a faint hint of nicotine and antibacterians. Oh, it's like spring. You have my thanks, Dr. Yu. But I thought... Well, quoi? You're no longer running the memory hamster wheel, I see. I hope you're coming in after me. Would be good to see a familiar face. Transmitting the code to the crate I was in. Ah, et donc je peux rentrer par là maintenant. You found Dr. Igwe. He worked in the simulation lab and in psychotronics. He might be helpful, but he's unlikely to approve of your mission, despite everything he's suffered. Though I will note, he's always admired you and Alex quite a bit. 9, 8, 5, 7. Ok, au moins il m'aide à rentrer, c'est pas mal ça. Zone de fret, c'est parti. Ah bah voilà, donc, mais de toute façon c'est là que je devais rentrer, ça se trouve je serais juste entré ailleurs, enfin d'une autre manière. Là je pense que comme j'ai fait ça, ça a été peut-être un peu plus rapide, mais bon, en vrai, tant que ça revient au même et qu'en plus le docteur Truc il va me donner des trucs les trucs du docteur Truc, j'ai limite envie de l'appeler comme ça ma vidéo.
façon, vous verrez avant moi si je l'ai fait ou pas. Docteur Igwe, c'est comme ça qu'il s'appelle? T'es où, poteau? Dr. Yu! Morgan! Ah! Up here, Officer Cool! Oh. We can't open the main door or our friends are gonna pour through. Get up to the catwalk, we'll get you inside. Ouais, j'en vois des gens là-bas. Fais chier. Je crois qu'il m'a entendu. Bon, c'est pas vrai qu'on me voit pas. Allez, la route là. Boom, bitch. Bon, alors, qu'est-ce que tu es censé faire ici? Oh, j'en peux plus de ma vie. J'en peux juste plus de ma vie. Les fantômes normaux, je peux les gérer, mais les voltaïques, c'est juste pas possible. Là, actuellement, c'est juste pas possible. Pardon. Oui, je te vois, Austin. Morgan, up here, Officer Cool. If we can't open the main door, our friends are gonna pour through. Get up to the catwalk. We'll get you inside. Attends, mais... Oh! C'était quoi cette esquive? Bon, ben voilà, je suis mort! Le fantôme là, il m'a fait un coupé décalé d'un coup là. Je sais pas trop d'où ça sortait. Ah, ça a sauvegardé ici. Ouais, quand il y a celui qui me voit, c'est pas grave. Oui, tu disais, pardon. Ah, il y a quelqu'un qui est mort là. Pardon. Alors, la silhouette dans le miroir, tu vas aller te faire foutre, s'il te plaît. Ouais, est-ce que je peux passer ici? Bon ben voilà, comment gâcher deux kits de soins. Bah pourquoi? Bah parce que je suis un putain de génie, voilà pourquoi. Ah, kit de soins! Bah alors mon coco, tu me suis pas. Comme c'est étrange. Non, j'ai pas envie de gâcher deux kits de soins, donc je vais... non, c'est pas ça. Chargement rapide. Par contre, non. C'est risqué. Mais le problème, c'est que si... si j'éteins le feu, le fantôme va me suivre. Ah bah d'accord, ça a sauvegardé là. Quelle arnaque. Bon bah, tant pis. Au nom de quoi ? Ça m'aide...
Ah d'accord, ce feu-là, ça s'éteint pas en plus. Magnifique ça, putain. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux te battre? Tu crois que tu peux me niquer? Bah non, tu peux pas me niquer, limite supérieure. Supérieure mon cul. Ah, attends, je peux plus prendre de... Dommage. Rétablir l'alimentation. Ok. Donc ça c'est fait. Et il faut que j'aille zone de transit. Ok. Il y avait un endroit où je... J'entends comme s'il était tout prêt. Ah non, ça va, c'est juste qu'il y a un fil de pété là, et du coup ça me... Non, on va te faire foutre. Mais c'est... Ah, cartouche de fusil à pompe, ça c'est bon ça. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Comment je suis censé grimper là-haut? Oh, attends, peut-être que si je... Je crois que si je baisse celui-là, je devrais pouvoir grimper sur l'autre. Il y a un truc de commande ici. Ah, les noobs. Attends, du coup, Austin, il était où? Ah, il est là-haut. Il est sans doute là-haut. Comment je fais? Non, faut pas que je descende, faut pas que je descende. Oh non, je me suis fait niquer. Au. Attends, mais il m'a vu super loin. C'est quoi ce bordel? Non, pourquoi j'ai gâché le fusil à pompe sur lui? Quel con!
Ok, d'accord. Pardon. Ah, ça a sauvegardé là, d'accord. Mon cher Scatch, je le laisse en bas. Le 5 aussi. Oh, bah, ça m'a l'air bon. Non, mais pourquoi tu viens par là, espèce d'enfoiré? Dégage! Non, je peux rien faire. Je peux rien faire contre ces trucs. Tout ça. Pourquoi ce truc est légal? Juste pourquoi ce truc est légal? C'est littéralement le pire truc qui peut m'arriver. Ouais, ouais, si tu veux. Allez, casse-toi! Qu'est-ce que tu branles là, espèce de débile? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Tant qu'il reste là, je veux pas monter la plateforme. Je peux rien faire. Tant que ce truc est là, je peux rien faire. C'est abusé. C'est de l'abus pur et simple. Et il me pousse en plus! Putain! Et en plus, il me pousse! Genre... Et il a même pas besoin de... Je l'ai tellement. Tu sais, je me demande combien de balles je pourrais le tuer avec le canon à particules Q. Ouais, j'en arrive là. Arme à garder en cas d'urgence. Là, je veux juste plus me forcer en fait. Concrètement, c'est... Je ressens une fatigue. Like disease.
Et ce truc à l'ultra instinct, dès que j'arrive là, il se retourne. Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de me dire actuellement, là, tu vois. Casse-toi! Pourquoi j'essaye encore de faire des trucs? Bon, vas-y, tue-moi, je m'en bats les couilles. Non, ils sont juste unfair ces trucs. Ils sont juste... Si seulement... Il se retournait pas dès que je saute. Si seulement ils avaient pas l'ultra instinct, ce serait gérable. Mais là, vraiment, j'en peux plus. Là, vraiment, je suis au bord de je sais pas quoi, mais je suis au bord. En plus, ça a besoin d'être. J'ai besoin d'être prêt pour l'activer. D'accord, donc une fois là, je fais quoi? Voilà, je fais quoi? Parce que c'est bien beau que j'arrive à monter jusqu'ici, mais concrètement. Faudrait que je puisse monter là, mais comment je fais? Est-ce qu'il y aurait... Ouais, non, en fait, c'est ça. Ça servait à rien de monter ici. Ah, des leurres à typhon, bah écoute, pourquoi pas, hein. Moi je dis pas non. Vas-y, défonce-les. Bon, ils vont pas faire. Il va pas faire long feu contre le. Elle a littéralement tenu une seconde. Une seconde, mesdames et messieurs. Contre le putain de typhon électrique de ses morts. Tantomico. Quoi? Vois ta gueule. Oui, je sais. Mais par contre, j'aimerais bien que tu arrêtes de te bloquer. Ouais, c'est ça, ça servait à rien.
allez vous faire foutre. Je suis censé faire quoi ici? Parce que là, je reviens... Je reviens. Je reviens. Je sais pas. Je sais juste pas. Parce qu'il y a... Non. Voilà, si au moins il peut essayer de... Je lui ai jeté une tourelle sur la gueule. C'est magnifique. Je suis où? Bah écoute, je suis dans ton cul, hein, évidemment. Bon, je vais essayer au moins de gérer les fantômes normaux. Le problème, c'est que dès que j'attaquerai un fantôme normal, eh ben, il y a les autres qui vont se ramener. Et là, ça va être chiant. Toi déjà tu vas crever s'il te plaît. Voilà, ça se fait. Hop. Voilà, j'en ai tué un. Il en reste combien? Alors il y en a un là-bas. Il n'y en avait pas deux des normaux. Il est passé où l'autre? Ah, il est là. Ah mais il est encore en vie ce truc. D'accord. J'ai des armes. Donc au final, est-ce que... Ah, il est là, le fantôme volcan. Qu'est-ce qu'il branlait là? Bon, allez. It's showtime, bitch. J'ai plus beaucoup de psy. Ok. Et j'ai mis presque à 1000 life, je crois. Je l'ai mis à plus de 1000 life. Ah! Ah bah c'est bien, je dépense 2 balles et j'en récupère 9 et j'en récupère 7. C'est plutôt cool. Bon, et donc il y a ça qui fonctionne. Super. Ah, c'est le fabricateur ça, non, le recycleur, il est là. Ah, ça va, ça m'a pas pris longtemps. Je suis resté calme du début à la fin, c'est merveilleux, je... Franchement, j'ai aucune objection à faire. Charge IUM, j'en ai plein. Bélétrière, système production, je m'en bats les couilles. Ouais, donc en gros, je suis toujours pas bien, bien achalandé, quoi. Oh, fait chier. Tiens, une pied à griffe, je vais la recycler.
Rester calme. Ne pas hurler. Ne pas... Restez calme. Restez calme. Juste restez... Il est où l'électrique? Tu sais quoi? Je vais la sortir quand même, la tourelle. Ça va... Ah bah c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait un des fantômes qui était mort. C'est parce qu'il a été terminé par la tourelle. Qu'est-ce que tu branles? Oh l'autre, il s'est fait la malle. Quel con. Mais c'est bizarre parce qu'il y en a un que j'entends super près, j'ai l'impression. Il y en a un là-bas. Voilà, et d'un. Ouais, cette arme qui m'a sauvé la vie, mais d'une manière que je saurais pas expliquer. En fait, si. Évidemment, ce truc il est immunisé. Ok. Hypopsie. J'en prends un, voilà. Attends, on est d'accord que du coup, les voltaïques ils sont immunisés à ça. Immunité, électricité, étourdissement. Bah oui. Ah. Bah alors, tu sais pas descendre sans escalier? Ah bah c'est dommage ça, dis donc. C'est moi ou je lui fais rien comme dégâts? Putain, tout ça parce que je me suis fait couillonner, mais d'une force. Oh là là. Attends, charge IEM. Tiens, charge recyclante. Tiens, mange. Oh putain, ça a recyclé. Ça a marché. Je vais chialer tout ça parce que j'ai gâché mes balles. Attends, quoi? Il en reste un? Ah, mais il est derrière la porte. Il y avait une clé à griffe quelque part. Elle était en bas, je crois. Donc on appuie pas sur ce bouton. Putain de connerie.
Ok, j'en ai vraiment marre de me faire bolosser par ce jeu. J'en ai juste... J'en ai juste marre. Je... Ah bah, ça a sauvegardé ici. 26 pistolets. Allez, charge recyclante. Tiens, tu veux être recyclé? C'est pour la planète. Oh, ça fait masse de dégâts. Bon, ça m'emmerde un peu parce qu'il avait sûrement des trucs intéressants sur lui, mais... Je vais pas m'en plaindre non plus, hein. Et puis en plus, c'est pas comme si la charge recyclante m'en servait jamais. Ok, matériaux synthétiques. Est-ce que je peux ramasser la clé à griffe qui est là? La machine est juste là, je vais faire des allers-retours. Attends, je me demande, est-ce que ça marche si je... Non, ça marche pas, donc c'est bien ça. Tu ne m'auras plus, jeu de merde. Une arme entomagée. Attends, on est d'accord que logiquement je devrais pouvoir les récupérer, les... Oh, j'en ai récupéré plein là. Ah, ah, je peux fabriquer des balles. Ah, je peux fabriquer des balles. Ah, oh, oui. Ah, oh, oui, encore. Ah. Trois comme ça, deux comme ça. Donc, je vais fabriquer deux de fusil à... Et... Balles de 9, 3, 1. Donc, je peux fabriquer deux packs de fusil à pompe. Et deux packs de 9 mm. Bon, ça me fait chier de toujours pas pouvoir créer des kits de soins, mais... Voilà. Qu'est-ce que je peux fabriquer seulement avec le orange? Charge IEM. Kit de réparation de combinaison. Ouais, non, ça pue la merde. Du coup, le truc, c'est d'aller là-haut, donc. Ah, mais je peux grimper là. Putain, alors que je me suis fait chier à tout faire en bas, il suffit juste que je monte en haut, quoi.
quelle entourloupe de merde. Un fantôme éthéré? Il était où? Cette arme qui m'a sauvé la vie, quoi. Ah, docteur Higo, il est là. Wesh. Ouh. Ça gaffe. Docteur Yu. Morgan. I thought. I don't know what I thought. It's good to see you. Is Transtar mounting a rescue operation? Your brother. I was in fuel storage when the fire broke out and everyone began running. But they weren't running from the fire, it was these shapes. Now my best. I had contained the fire and I was trying to reach the power supply when Al, Officer Rose, came and got me out. I'm glad he did. I didn't know what was going on or anything about those things. Everyone I worked with. Ah. They're dead, aren't they? I wonder if one of the creatures caused the explosion in fuel storage. Are they intelligent? Did they plan this? I heard all the escape pods malfunctioned. All of them. How is that possible? Bah, écoute, Cocotte, if only I could have put out the fire. It's contained, but I could have done more. À défaut d'avoir des coups de reached the power supply in time. Excuse-moi de te couper, ma grande. Qu'est-ce que je peux balancer là? Ah, j'ai 5 neuromodes. Ce serait bien que je m'en serve parce qu'ils prennent de la place, c'est con. Ah merde, j'ai oublié de. Ok. How did this all happen? J'en ai aucune idée. J'ai vraiment plus de place, c'est une horreur. Attends, il y avait un autre moyen de monter ou pas? J'ai pas l'impression. Bon bah tant pis, il faut que je redescende pour me recycler mes trucs. Oh putain, quel con, je crois que j'ai... Ah mais non, mais je peux pas l'améliorer. J'ai dit putain, j'espère que j'ai pas acheté celle qui était améliorée, mais non. Vu que je peux pas l'améliorer. De secours, il m'en faut combien des verres? Il m'en faut 2. Comment je t'ai monté déjà? YOLO! Attends, pourquoi ça n'a pas marché là? C'est exactement comme ça que j'ai fait juste avant. Ah, peut-être comme ça. Non. Ok, le jeu, qu'est-ce que tu es en train de me faire là, hein? Tu veux vraiment que je perde patience, c'est ça?
Voilà précisément pourquoi j'ai pas couru tout à l'heure, mais là j'en ai tellement marre. Ah! C'est justement pour ça que je devrais être avoir beaucoup plus de précautions, mais bon. Ta gueule! Mais je crois que du coup c'est vraiment par là la sortie. Mais attends, il est où Austin? J'ai vu un Austin, il est où? Il est passé où? Are you going to take everything? Ouais, madame. C'est littéralement une question de vie ou de mort. Alors j'en ai 5 comme ça. 3 comme ça. 1 comme ça, 1 comme ça. Ok, donc je pense que ça devrait un peu compenser mon manque de kit de soins. Austin? Ah, mais encore des gens qui sont là. Salut. What is it doing? Oh my god, did it? I think I'm gonna be sick. It just made another one of those things. Like it pulled it right out of Enoch's corpse. Ugh, corpse? Maybe. I don't know, maybe it saved him. It could still be Enoch. Does it look like it? Sam, promise me you'll kill me if I ever end up like that. Sarah will get us out of this. She got us this far. We're safe in here. For now, I'm going to check the perimeter. Attends, mais pourquoi Austin il est en rouge? Austin? There's something over there. Qu'est-ce que... Pourquoi t'as fait ça, Austin? Still doing all right? I am, Officer Rose. Thank you. It's Al. Dr. Igwe is no blessed. Burns? It was no, you came pulled me out just in time. Putain, mais arrêtez de parler tous en même temps! Comment je fais pour remonter maintenant? Ah! Don't know if Wiggy, Dr. Igwe is lucky to be here or not. Might have been safer in his crate. Requesting new operator. Ah, bah c'est un opérateur machin alors que j'ai déjà... alors que j'ai déjà ma vie au max. 490 medical class operator ready to deploy. Please stand clear of aperture. Ah, de la glu. Non, mais je veux lire le truc. Pute! Ah, voilà. C'est quoi ça? Tuyau en plastique usé. Vous avez genre aucun... Il y a genre aucun kit de soins par ici, c'est n'importe quoi. Carte de la zone, oui. Dr. Igwe, figures he'd survive. Dumb luck, I suppose. C'est pas très gentil de dire ça, Sarah. If you find a way out of here, take Dr. Igwe with you. Maybe he can be of some help. Ooh. Elsewhere. 4 neuromodes. So you came all this way, only to get back into Talos? Only way in is through the door to Cargo Bay B, which is filled with those creatures that your brother insisted couldn't escape confinement. Kind of like you. I'm the only one with the code. It's yours if you can help us secure the firepower we should have had when assigned here. The Eradicator turret fabrication plan. The...
My men told me power's been restored to the Fabricator. That was you, wasn't it? I was quick to underestimate you, Doctor. That means all we need is the turret Fabricator plan. There's one in the safe in the security office, but the hull breach puts it out of my reach. Still, if you have a suit and are up for another walk, we could really use the additional firepower. Look, I don't know what you're planning, Morgan, but just remember, the only thing that matters is how you treat the people that are still alive. La zone de fret, un nouveau code. Mais pourquoi Austin m'a attaqué? C'est lui qui m'a dit « Ah, venez là, docteur, venez, regardez, je suis un allié !» These mostly for show. They don't do much against the attackers. With the Eradicator turrets, we have a chance. Katarina, it's been so long since I've seen you. Yes, it feels like years. I'll take that as a compliment. Vous pouvez fermer vos gueules, que je puisse faire ma conclusion, s'il vous plaît. Hello, are you here for an appointment? Non. Coucou, Sarah. Je vais me mettre là dans un coin, et puis ce sera tout pour l'instant. La suite, tout de suite.